Thomas! C'est Sarah qui arrive! Ah! Elle est où, la belle? Hey! Ma belle Sarah! Enfin! Salut, mon capitaine! Wow. Regarde-moi ça! C'est-tu... C'est beau, ça n'a pas de sens! Tu vas redécouvrir ton chez-vous, chérie! Ah ouais, bien attends, on va monter à bord! Hey, salut Fabrice! Hein? Ça va bien? Oui! Fais attention! On y va! Oh. Yeah! Hey, on est enfin là! C'est-tu beau en s'en allant même par la route quand tu découvres la baie? Je capote! Imagine sur l'eau, ça va être capoté! Oh! On va aller manger, on va aller se promener, on va aller faire des courses, puis après ça, je vais aller terminer sur le fjord. Ça va être merveilleux! Hey, tu m'as dit que t'avais invité quelqu'un aujourd'hui, puis c'était une surprise, puis j'ai hâte de savoir c'est qui. Aujourd'hui, capitaine, on apporte sur le bateau, avec nous, Horloge Smart. Horloge Smart, c'est un band de flyer, de capoté, tu vas pogner de quoi. Mais on reçoit plus particulièrement Olivier Smart, le chanteur et l'auteur des chansons. Ce qui est le fun, tu sais quoi? Ils viennent d'ici. Ah, il vient de la région? Hey, ça m'allume, tu le sais, hein? Écoute-moi, ce que j'ai envie dans ce temps-là, quand tu me dis qu'il vient de la région, c'est de le faire redécouvrir la région. Tu sais, tout le monde est habitué de se promener en bagnole, en auto, à gauche, à droite. Mais vu du fleuve, c'est toute une autre affaire. Fait qu'on va les embarquer à bord, je vais les amener à Baie Éternité, qui est juste à côté. Bon, ici, on est à l'Ange-Saint-Jean. C'est beau, comme tu vois, c'est majestueux, c'est magique. Là, je vais les amener dans l'éternité. Je vais leur faire découvrir une cathédrale de pierre qui est extraordinaire. Puis ça, j'ai hâte de voir leur face. Fait qu'on va triper. Là, ça va sonner. En plus, on joue de la musique sur le deck. Ah oui. Devant la cathédrale. Ah oui, puis avec de l'eau, le son va se promener, ça va être cool. Puis j'ai hâte de les entendre parce que je les connais pas, moi, personnellement. Mais il y a une affaire qu'il va falloir qu'on mange. Plan de match, j'ai pensé à ça. Alors, on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On peut pas passer à côté du repas typique régional de la place. Ben non. Soupe à gourgane. Gourgane. Ah, des fèves, là. Soupe au gourgane. Festival de la gourgane d'Albanel. Oui. C'est à 20 minutes de chez nous. Albanel. Albanel. Continue. Tourtière. C'est sûr que dans le dessert, il va y avoir des bleuets. Ah, ben là. Puis là, salade à la crème. Oh! J'adore la petite salade. Ben oui, la salade à la crème. C'est moi qui la fais personnellement. On va la faire ensemble. My recette. Oh oui, t'as raison. Ça, on va faire ensemble. Allez, on y va, je suis prêt. Parfait, moi aussi. Let's go! Fait qu'en arrivant, j'étais allée jaser avec François de la Marina. Là, j'ai demandé c'était quoi les meilleurs spots. Puis là, il m'a parlé du restaurant Le Grillon, où ce qu'il y avait supposément la meilleure tourtière. Fait que c'est là qu'on s'en va chercher ça. Fait qu'on va manger de la bonne bouffe locale, de la vraie bouffe régionale. Regarde-moi dans le décor où on est, veux pas, on a envie de manger ce que le monde mange dans le coin, c'est vrai, pareil. Moi, juste parler de tourtière, j'ai faim. Ben oui, mais tu viens du bout en plus, ça, c'est sûr, là. J'ai hâte. Ah, oh, je pense qu'on arrive. Restaurant Le Grillon. Hey, j'ai hâte de voir. Hey, ça a l'air cool, en plus. Oui, let's go! On y va. De la tortière, des tacos au bleuet. Ah, t'es pas sérieux, j'ai oublié mon masque. Hey, tu sais-tu quoi? On dirait que j'y ai pensé. On le vrai? Je t'en ai amené un cadeau. Non. Oh non! Avec des bleuets! Au secours! Ça va être cute au bout. Hey! OK, on y va. Ah, ça te fait bien au bout. Ben oui, c'est ça. Ah oui, on y va. On y va. Okay, Bonjour! Allô? Ça va bien? Oui, très bien, vous-même? Je me présente Sarah Dufour. Bonjour, Sarah. Et je vous présente Capitaine Thomas Duflaneur. Bonjour, Capitaine. Ça va bien? Très bien. On a entendu parler de vous? Oui. Ben oui. Ça va bien, j'espère. Oh, si vous saviez, c'est François de la Marina. Oui. Il nous a dit de venir voir. Ça a l'air que vous faites les meilleures tortillères de la région. C'est sûr. Je suis la reine. Vous êtes la reine de la tortillère? Parlez-moi de ça. Oui, la reine de la tortillère. Qu'est-ce que vous mettez comme ingrédient? Je peux pas te le dire. C'est un secret? Oui. Pour si je te le dis, là, tu vas en faire. Non. C'est correct, gardez votre secret. Nous autres, une chose, c'est sûr, on va en manger sur le bateau, c'est sûr. Puis manger local. Local! Ben, c'est ce que vous allez avoir. Fait qu'on va prendre notre commande. Vous êtes super fine. Ouais. C'est nous. Qu'est-ce qu'on prend, là, exactement? Ben, en fait, ici, je vous ai tout installé. Vous avez les pains, les biscuits, le bar, tout là-dedans. Wow! Vous avez vos salades de choux. Oh!
Là-dedans, vous avez des soupes aux gourganes. Ah! Puis je vous jure qu'il n'y a pas trois gourganes d'un plat. Oh! Moi, ici, on se fait dire, on n'en revient pas, il y a de la gourgane. Ça, ici, vous avez vos tourtières. Ça, vous avez deux tartes au bleu. Des vrais tartes au bleu? Ça, c'est des tartes au bleu? Oh! Wow! Ils sont chauds, 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 chauds. On ne dit pas à l'équipe, on en mange, tout ça. On en mange une dans le char. C'est fou! On en mange une, on lui dit qu'on en a juste ça. Ça serait mieux d'attendre parce que si tu la coupes, elle est chaude. Fait que les bleuets vont... Mais si j'en mange au complet, c'est pas grave. Ah, ben là, ça c'est sûr! On va se bourrer en face. Hey, merci, Claire. Hey, ça me fait plaisir! Merci beaucoup! On adore ça! Ça va bien? Ben oui, ben oui. Ça va super. Salut! Moi, c'est Thomas. Ça fait plaisir. T'as déjà rencontré ma fille, c'est cool. Ouais, c'est cool. On est allé faire des courses, nous autres, on arrive. On a le stock pour asseoir, ça va être malade. Ça risque d'être bon. Ouais, 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 ouais. Ouais. Hey, j'ai hâte d'entendre ce que tu fais, j'entends parler de toi, mon petit snorro. Hein? Ben, je suis un petit peu mal commode. Ouais, c'est quoi cette affaire-là? Il n'y a pas de hache dans ton nom? Ben, c'est parce que probablement qu'on l'aurait tout fumé. OK, on va éliminer ça. Le yob est dans ta chair. Tu as vendu 2 étoiles pour continuer à boire loin du motel. Après mûre réflexion, tout en bouffant des poires d'angoisse, pensais pas voir ton nom étalé dans la presse. Les gens disent qu'il y a personne qui prophète en son pays. Tu le seras pas plus ailleurs, ça c'est promis. À chacun ses omelettes, à chacun ses défaites. Pavé en île enfer de ton chien sale de bon vouloir. Étant donné que nous sommes nous, à chacun son Waterloo. Pour descendre aux enfers, prends la navette pour les limbes. Ça se fait nu comme un verre en aller simple. Tu te retrouves au milieu de l'amphithéâtre des regrets, torturé par les yeux d'un public satisfait. À chacun ses omelettes, à chacun ses défaites. Pavé en est l'enfer de ton chien sale de bon vouloir. Étant donné que nous sommes nous, à chacun son Waterloo. À chacun son Waterloo. On est dans le Saguenay, on est dans le royaume. Je vous présente la cathédrale. Oh my God! C'est magnifique. Oh. Ça n'a pas d'allure, hein? Quand on est proche... Gardez-moi ça! On se rend pas compte qu'on a ça ici. Dans la région, on prend jamais le temps, justement, de venir voir ça. Puis de... Regardez ça. Il y a même du monde qui sont allés écrire. Là. Ouais, regardez, j'ai des frissons. Moi, regardez, là, ça m'a... Regardez ça. Ça fait des milliers d'années, c'est là. Ouais. On est des petites poussières, nous autres. Là. Puis quand on pense qu'elle a pas loin de 500 pieds d'hauteur, puis en dessous, en ce moment, on a 172 pieds de profond. Je parle pas parce que je suis comme... Ah, ben oui. Regarde-moi ça! C'est fou! Ah non, c'est quelque chose. L'artère vitale du Québec, c'est le Saint-Laurent. Si le fleuve n'était pas là, le pays n'existerait pas. Il est là depuis des milliers d'années, le fleuve. Tu sais, nous autres, on est juste de passage, là. La roche à côté est pas mal plus vieille que moi, là. Ça veut dire qu'il y a des arbres qui sont bien plus vieux que nous autres. Mais quand on le découvre par le fleuve, on découvre ce que nos ancêtres ont vu. Oui, parce qu'ils sont arrivés par là. Ben oui.
c'est ça. Donc, avec nos yeux, on peut moi, j'aime ça, aussi. Comme j'ai des amis qui viennent de partout dans le monde, je les amène sur le bateau pour leur faire vivre ce moment-là. Ouais, c'est ça. Hey, ça tripe solide, là. Ouais. Tu sais, c'est sortir une morue. Tu sais, aller chercher un homard, t'arrives à Rimouski, puis tu sors un homard de Saint-Livre, qui a la patte plus grosse que. Tu fais, c'est quoi ça? Ah, tu fais ça, ouais. Ben oui! Hey, c'est tout chez nous, là. Ouais. Moi, là, ça me. Ouais. Ça me fait du bien, là. Ben, c'est qu'on se rend plus compte de ça, tu sais, toute la richesse qu'on a. Parce qu'on vit ici, on est toujours collé. On est collé, fait qu'on prend plus le temps d'admirer, justement. Le phénomène de voir l'horizon à l'infini. Là, on l'a sur l'eau. Fait du bien, tu sais. Hey, les gars! Hey! Santé! Santé! Gros! Cheers! À notre belle aventure! C'est merveilleux! C'est le fun, hein, Chris? Hey, hein, vous avez fait un beau petit tour sur le fjord. Oui! Grâce à toi, Thomas. Tu nous as amené tu nous as amené voir des facettes qu'on connaissait pas de la région. Du royaume. Ouais, du Kingdom of Saguenay, vraiment. C'est juste qu'on oublie des fois à quel point c'est beau. Mm. Moi, j'ai adoré ta musique, puis surtout de vous voir les deux ensemble. Puis Sarah, vous autres, vous vous connaissez, là, vous deux. C'est ça que j'aime. Oui, bien, on sait que c'est ça. Tantôt, on a jasé, puis il m'a rappelé qu'on s'est connus avant que qu'est-ce que je pensais. Ah ouais? Parce qu'on s'est connus parce qu'on a fait un concours à un moment donné, c'est le cabaret festif à Baie-Saint-Paul, début 2014. Finalement, c'est qu'on a commencé en même temps. Presque en même temps. On a commencé presque en même temps à faire de la musique, puis ça, puis à essayer de percer, si on veut, tu sais, puis à commencer à faire des shows, puis tout ça. Fait qu'on a commencé dans le même bout. Et moi, ce que je me rappelle, c'est d'avoir partagé le même stage que vous autres en avril 2017 au cégep de Jonquière. Ouais. Et que. Après show, ça se battait, puis là, j'ai dit, mais ça brasse donc, ben, j'étais dans l'âge avec les gars, j'ai dit, mais ça brasse donc, ben, les gars, d'après moi, ça se bat. Fait que là, les gars, ils disent, ben, on se met correct, là, je pars. Je reviens avec un gars en sang, je le pogne, je dis, hey, viens ici, je le pogne, il dit, go, je te niaise pas, tu sais. J'ai dit, bon, je peux t'en aller. Le gars, il se pétait la tête d'un pas, ça avait fini avec 32 arrestations. Oui, il y avait eu 32 arrestations. Ce shot-là au cégep. Un show d'Horloge Chimard, c'est, tu sais, ça laisse personne indifférent. Excuse-moi, là, je suis un petit peu étourdi. Vous n'aviez pas été barré au cégep de Jonquière? Non, mais tu étais barré. On a été barré d'une coupe de place. Ça s'est débarré après. Ça s'est débarré, mais à un moment donné, on était barré de la Gaspésie aussi. On était allé à la Gaspésie, là, c'était terminé. Je te regarde, là, t'es pas un gars violent. Mais qu'est-ce qui. Selon toi, qui amène à ça? Ben, c'est que des fois, il y a deux côtés de la médaille. Hein. Des fois, on fait des tunes vraiment de brosse, donc ça brosse fort. T'sais, ben souvent, les gens se souviennent plus de le show. T'sais, ça nous est déjà arrivé des témoignages. Je me rappelle pas de grand-chose. Puis, tu sais, bon, ça a un bon côté, mais ça a un mauvais côté aussi. Mais ça me fait rire que de t'entendre me dire ça, que moi, je viens juste de t'entendre jouer sur. Rouvre du bateau. C'est contraste. Hein? On est dans une place extraordinaire qui est un royaume pour le vrai. Là, tu me comptes ça, puis moi, je fais comme ah ouais, tu sais, ça me rappelle des années gros rock là, des quand j'avais des cheveux là. Ouais. Fait longtemps. Ouais, ça, dans les années 40. Salaud. Salaud, petit salaud. Hein? Mais sérieusement, ça me rappelle. Ça me fait vraiment rire, là, vraiment, là. Ouais. Puis je te regarde, puis je fais comme, ben, il est tout doux, ce gars-là, il est tout cool, il est tout, tu sais, là. Mais on est tous en contradiction, on est tous faits de nuances et de contrastes, tu sais. Hey, imagine, moi, quand j'étais jeune, je dansais du ballet, tu sais, c'est de la contradiction. Ouais, on la voit, la contradiction. Hey, on commençait à manger à la soupe à Bourgogne, à Claire. Excusez, là, moi, j'ai commencé. Moi, j'ai faim, là. Puis là, Claire, elle nous a dit. Elle disait qu'elle en mettait de la gourgane. Elle dit, il n'y a pas juste trois gourganes dans mes soupes. Il n'y en a pas rien de toi. Moi, ça n'a même plus de bon sens. Claire avait raison. Mais sérieux, là. Qui est un mec classique, là, vraiment de la région. Ouais, mais c'est ça, manger local. Typique, local. Manger ici, local. Quand j'étais jeune, je me souviens qu'à chaque fois qu'on faisait un village, t'allais chez le boulanger, il y avait une recette spéciale pour le pain. Un autre, c'était le boucher. Il faisait un jambon fumé d'une façon. Un autre. Moi, revenir à ça, là, le COVID, là, ça nous rappelle que chez nous, là, wow! Tu sais, nous autres, on est chanceux, on a été testés, on est bien, on est positif, on peut être assis, on est privilégiés. On est positif. Ouais, non, on n'est pas. Non, mais on n'est pas.
on est positif dans le sens. Je me suis fourré là, ça on là. Est tellement négatif qu'on a rien posé. Oh, c'est tellement drôle. À date, Claire a scoré sur la soupe au gourgan. Ouf, pas à peu près. Voyons voir qu'est-ce que ça dit okay. pour la troisième. Moi, c'est sûr. Bon appétit. Sérieux, là. Bon appétit. On est ailleurs, là. Non, ça on est ailleurs. Mais vraiment bonne, sa tourtière. C'est plus fin. Qu'est-ce qu'elle met là-dedans? Je sais pas. Elle a pas voulu nous le dire. Ouais, elle a des ingrédients secrets qu'elle nous disait. Mais sérieux, là? Vraiment bon. Là, moi, je me risque. Je vis dangereusement. Parle-nous pas sa salade. On va aller avec la salade. Je mange la va. Salade de Sarah. Non, mais il manque d'oignons, là. Écoute, elle est super bonne. Sauf qu'on va avoir une haleine. Oui, mais ça, c'est pas grave parce qu'on en mange tout. Parle-moi de ça. Ben oui. Tu sais? Wow. Sérieux, là? Vraiment. Non. C'est la meilleure odeur que la cigarette, oui. Ouais, mais. Moi, je suis celle-là qui a tout le temps de quoi de poigner dans les dents. Je suis celle-là que, tu sais, tu manges la coriandre, j'ai tout le temps de coriandre, un morceau de persil, quelque chose, ouais. Je l'ai, tu sais. Mm-hmm. Puis là, quand t'as ton bleuet. T'as des bleuets, c'est ça? Des bleuets dans les dents. On commence à comprendre le principe. Colline! Arrête de me partir! Je peux plus respirer! C'est de la maltraitance, j'ai une tête de panneau! Il voulait en au vin, il crée les lèvres bleues, pis là, les bleuets. Ouais. Vous jouez une belle mélodie de mon cru. Elle s'appelle le vin. Pis le vin rend les lèvres bleues, ben comme la tarte aussi. Je pense que le lien est là, puis le lien est facile à faire. Ça va être une belle perfo, puis je pense qu'on va la jouer en duo. Hein. C'est un cadeau que vous me faites, hein, à la bord du bateau, de la musique, le bonheur, le plaisir partagé. Ben écoute, je tiens à te remercier aussi, parce que on est quand même dans ton bateau. Bon, je suis juste occupant. Tu sais, un bateau, là, on est occupant d'un bateau. On est... ouais. Moi, je dis toujours ça, parce que ce bateau-là, il y a eu des occupants avant moi. J'en prends soin, puis un jour, sans doute, quelqu'un d'autre va en prendre soin aussi. Mais on a vécu une belle journée en Christ. Merci, vraiment. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est le fun de faire redécouvrir. Non, non, on est content. Hein? C'est beau, la vie sur l'eau. C'est une crise de belle journée. C'est un, autre aspect, puis moi, ça me donne encore plus soif de... D'aller flâner. Ouais, d'aller flâner. Tu veux continuer à venir flâner avec moi? Ouais. Hein? On va flâner partout. J'ai envie de découvrir encore. Ah. Cheers, tout le monde. Santé. Santé. Hey. Merci à vous. Hey, Olivier. Hmm? Merci beaucoup, Olivier. Ça a été une super belle journée aujourd'hui. Hein. Vraiment très cool. Sarah, bon, très bien. Je t'adore. Plaisir. Merci, ma belle. OK. Allez, on continue. Santé, tout le monde. Le vin rend les lèvres bleues. Il ne rend pas meilleur. Il rend un peu enjôleur. Il ne rend pas serein. Il te fait pleurer pour un rien. Pim, 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 le vin. Papapam, papapam. Le vin rend les lèvres bleues. Papapam, papapam. Il rend les idées noires. Il met ta tête un peu de travail. Il ne rend pas plus beau. Ça dépend qui prend la photo. Oh, 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 oh. Si la couleur du vin, c'est la couleur de ton teint, il faut savoir que tout homme tend à dévier du métronome. Pam, 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 le vin. Papapam, le vin rend les lèvres bleues. Papapam, papapam, rend la parole fumeuse. Te laisse des cernes sous les veilleuses. Il ne rend pas plus beau. Il te met en mode crescendo. Oh. Et si Dionysos aimait bien prendre une bonne brosse,
Il en va de même pour l'ivrogne. Tassez-vous si la soif y pong. Pam, 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 le vin. Pam, 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 pam. Le vin rend les lèvres bleues. C'est du génie.